Oh putain. Hey, salut YouTube, c'est Miko, bienvenue dans cette nouvelle première séance. Je rappelle un petit peu le principe pour ceux qui débarquent, pour la première fois, bienvenue à vous. Première séance, un film que je n'ai jamais vu, que je découvre devant vous, avec mes commentaires et mes analyses bien à moi. Et aujourd'hui, on va continuer sur la lancée des films d'horreur que je n'ai pas vu, avec Carrie de Brian De Palma, c'est parti. Allez les jaunes! Oui mais lesquels? J'aime bien le volleyball, le seul sport où j'étais bon. Bah alors? Pas sympa, petit coup de casquette dans la gueule. Bish! Carrie. Le film préféré des dentistes. Ouais, John Travolta. Ah, je savais pas. Première nouvelle. Stéphane Guérarche? Je ne sais pas qui c'est. Oh, dis donc, c'est coquin, je ne sais pas si je vais pouvoir laisser ces images de femmes dévêtues. Ah ouais, d'accord, non, complètement à poil. Complètement à walp. La foule à l'air. Ah ouais. Ah ouais, Nancy Allen, complètement à poil, d'accord. Je la voyais autrement dans Robocop. Ah ouais, et à l'époque, il y avait des sacrés foufounes, hein. Oh là là, c'est fourni tout ça. Bon, faut dire que le film date de mon année de naissance. La pilosité était très développée à l'époque. On dirait le début d'un film érotique. Alors, est-ce qu'on voit la caméra dans le reflet? J'ai pas fait gaffe. Alors là, on dirait une pub pour du savon. C'est la pub pour le gel de douche la plus longue du monde. Ne jamais ramasser la savonnette. Ah! Alors, il y a de quoi flipper quand t'es une jeune demoiselle et que c'est la première fois. Oh la pauvre, me dis pas qu'elles vont toutes se foutre de sa gueule. Ouais, mais t'es en train de niquer nos fringues là. Oh la pauvre. C'est horrible comme un tampax, ça ressemble à une souris. Oh la pauvre, elle est en flip, elle est en train de se foutre de sa gueule. Les femmes peuvent être cruelles entre elles. Technique pour la calmer. Calmez-vous. Bish. Oula. On a oublié de payer EDF. Oh là là, la mandale qu'elle s'est mangée gratos. Faut pas m'en vouloir, je suis désolée, je ne savais pas. Ça part tout seul, je frappe les gens sans raison comme ça. Bonjour. Bish. Ah là, je suis désolé, je suis la filleule du parrain, donc il m'a appris à... Bish, bish. N'est-elle pas un peu agie pour... avoir ses premières règles? Ah là, ça y est, ça fait le tour de l'école. Le directeur est au courant. Oh la pauvre, c'est devenu l'attraction du lycée. Mademoiselle Finch, faites entrer Cassie Wright. Carrie White. faites entrer Bernard. Carrie. Approchez Cassie. Carrie. Oh putain. S'il vous plaît, mademoiselle Finch, apportez-moi un bulletin de sortie. Mais je ne m'appelle pas mademoiselle Finch, je suis mademoiselle Grinch. Et rentrez chez vous, vous serez beaucoup mieux à la maison. Va saigner chez toi. Nous regrettons ce pénible incident, Cassie. Ta gueule. Oh, pouvoir télékinésique dans ta gueule. C'est une mutante de classe Oméga, Alpha, Delta, Omicron. On n'en peut plus, hein. Tiens, avec ta chemise en rideau, là. Chez. Voulez-vous entrer un moment? Je ne voudrais pas vous déranger. Mais je rentre quand même. Ah ouais, elle s'incruste. Répandre la sainte parole dans la grâce divine du Christ rédempteur. Oh là là, c'est la mère de Cariel. Oh là là, la bonne relou. Allez-en, paix, ma fille. Elle a pas l'air très nette, la mère. Écoutez, madame Wild. Je souscris entièrement à votre œuvre. $10 pour que tu fermes ta gueule. Ah, je kiffe ce genre de son là. Ça fait très Clint Eastwood, Inspecteur Harry. Pourquoi c'est si sombre chez elle? Ah, ils sont en train de lui dire votre fille a saigné de... Et elle va dire... Le démon! Elle est démoniaque! Il faut la brûler! Elle est très belle la musique. Qu'est-ce qu'il est glauque l'appartement? Alors, te voilà femme maintenant. Pourquoi ne m'as-tu jamais prévenue, maman? Maman! Putain, mais la pauvre! Elle va se faire frapper pendant tout le film. Non, le péché vient de la faute originelle. Le péché vient de la faute originelle, voilà, ok, c'est bon, on l'a dit. Le péché originel fut l'acte de chair. J'ai rien fait de ouais, mal. Mais c'est grâce au péché de chair que t'es là, meuf. Maman, j'ai eu peur du sang, j'ai cru que j'allais mourir toutes les autres. Oh là là, c'est horrible. Cette malheureuse pécheresse à voir le péché sous ses oripeaux trompeurs. Non, oh,
Mais enfermez-la. Allez, on va manger. Mais c'est horrible, la pauvre. Elle se fait maltraiter par tout le monde. Excuse-moi, mais tu l'as faite comment, ta fille? Par l'opération du Saint-Esprit? Oh, les chats, Jésus, les yeux allumés. J'ai la même avec Man of Steel. Les yeux, ils s'allument aussi. Quelle angoisse, cette mère! Oh là 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 là! C'est flippant, hein? Ferait mieux d'aller chez le coiffeur. Le miroir va-t-il se briser? Ouais! Avec un petit son à la psychose. Carrie! J'imagine les noms des autres enfants. Carrie! Molaire! Détartrage! À table, ou je vous tire par les cheveux. Vous qui jetez un œil inquisiteur sur les sièges de nos voitures. C'est la voix de Gargamel, ça? Je te tiens, mon bon bleu, misérable nabo! Excusez-moi, ils ont quel âge pour être à l'école? Ils ont 30 balais, les gars. Vague de grains d'ambre. C'est beau, ces plans, hein. Ça marche bien. Elle a pas joué dans Halloween, elle, avec la casquette? Sa tête me dit quelque chose. C'est pas celle qui fumait dans la chambre? L'idée que votre camarade ait pu en souffrir ne vous a pas effleuré? Ah, ça, c'est la voix de la princesse Leia dans Star Wars! 1, 2, 3, 4. Très bizarre, la zik, là. On dirait la zik des sous-doués. Il reste 10 minutes à ma montre. Vous pouvez vous les foutre au cul! Ah! Oh! Ça, c'était l'éducation d'antan! Oh, ça, je te jure que tu vas me le payer, ça! Oh, putain! Ouais, non, ça va un peu loin, ça va un peu loin, là. Non, j'ai pas envie de me recevoir une gifle dans la gueule, moi, perso. Ta gueule, y'en a marre. Elle s'est retrouvée toute seule. La fête de la promotion se passera sans vous, Argenson. Et bim! Pas de fête de la promotion, Argenson. Qui veut sa petite treha? Oh là là, la donneuse de gifles! J'aurais pas voulu avoir cours avec elle, hein. Bish! Bish! Qu'est-ce qu'elle cherche? Télékinésie. Ah, qu'est-ce que je disais? Allons, passons les derniers. Ah, boucle d'or. Salut, chérie. Je propose une soirée bouclette ce soir, ça te branche? Je veux que tu emmènes Carrie White au bal de la promotion à ma place. Hey! Johnny Johnny! La jeunesse. Regarde comme il était beau avant la scientologie. L'insouciance américaine. Buvons de la bière au volant, sans ceinture. Oh là là, il boit comme un porc. Ça fume, ça picole, c'est sympa. Mais il boit comme un porc. J'aime pas qu'on me traite de con. Mais regarde ce que t'as fait. Il s'en est mis de la bière partout, le mec sait pas boire. J'ai dit de pas m'appeler comme ça, t'as compris? Fais gaffe! Ah, je suis choqué, là. Ah, je suis choqué, les gars, le nombre de baffes, là, mais ça va pas, non? Ni un prof sur une élève, ni un mec sur sa meuf, mais vous êtes des oufs. Allez, la ligne blanche, s'en bat les couilles. J'ai l'impression que la soirée bouclette, c'est pas ça. Hein. On se fait un peu yesh. C'est un film tout pourri à la télé. Ok, c'est d'accord. Elle est sympa, elle. Tu sais que t'es une drôle de salope, toi, mine de rien. Oh! Eh merde. Quel romantisme. Oh, les mains, Billy. Billy. Y'a pas que les mains qui sont hautes. Billy. Elle arrive à parler la bouche pleine quand même. Hein. Ça, c'est mal fait. Parce qu'en vrai, ça ferait. Qu'est-ce que tu fais? Je joue au tennis, connard. Si tu n'as pas de cavalier pour le bal, je peux t'accompagner. Salut! On m'appelle Boucle d'Or. Eh, hey, Carrie! Écoute! La pauvre, elle est traumatisée. Mais tu m'étonnes avec une mère comme ça. Carrie, qu'est-ce que tu fais? Tu boudes? Non, j'ai mal aux dents. C'est Tommy Ross qui m'a invité. Oh, la voix de Carrie, c'est la voix de Mary Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie. Il y a longtemps que je voulais te le dire. Bish. Elle est pas assez coquette et jolie comme tu es, je trouve ça dommage. C'est vrai qu'elle est jolie. Ah là, chérie, on va faire quelque chose de magnifique. On va te rendre un W. Un tout petit peu de rouge. Oh, ouais, non, si elle fait ça, elle va se faire défoncer par sa mère. Tu es le diable, tu es chitane. Ah, Michel Polnareff est arrivé. Un nouveau sosie. Salut Michel! Alors, quand est-ce que tu sors un nouvel album? Ah, il retourne, Oh là là, il va l'inviter une deuxième fois. Il insiste, le bougre. Mais sauf que là, il va tomber sur... Mère Denise. Alors c'est ici que tu habites? Bah oui, connard. Je voudrais que tu m'accompagnes au bal. J'ai déjà dit que je sais, mais je peux peut-être te faire changer d'avis. Il est joli ce plan, ils sont face à face, mais séparés par cette porte. Si tu peux. Carrie? Dis oui. C'est inutile d'insister. Carrie! Elle arrive, dis oui, vite! Peut-être parce que... tu as aimé mon poème. Carrie! Bon bah d'accord. D'accord, d'accord, je viendrai. Ok, je passerai te chercher à 8h. Ta gueule. Ok. Oula, j'ai l'impression que ça va devenir cochon dans un instant. Fais-le toi. Oui, ah, vas-y Billy. J'en étais sûr que t'allais te dégonfler, ça te provienne. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est ça, bouge pas. Cogne. Ah mais si vous vouliez un sandwich au jambon, fallait aller à la boulange les gars. Oh, toi, tu manigances quelque chose. Mais j'aimerais juste vivre en fait. Invité au bal. De avec l'éclair derrière. Je veux être comme mes autres camarades. Je veux profiter de la vie.
il viendrait me chercher à la maison en voiture non. Et il me raccompagnera à minuit. J'ai accepté, non, maman. Non. Heureusement que c'était pas du gazpacho. Qu'il dans ton placard. Non. Oh, elle se rebelle, ça y est. Le mal. Oh, le mal. Il n'y a pas de promesse qui tienne. Tu resteras ici ou bien nous déménagerons. Ah, carrément. Je t'en prie, inquiète-toi, écoute-moi. La zik, c'est psychose ou c'est inspiré? Parce que c'est la même, hein. Je vais y aller, maman. Et il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ouh, j'adore! Qui a hérité du pouvoir de Satan. Sorcière! Brûlons-la! En me concentrant, je réussis à déplacer les choses. Satan est rusé. Satan l'habite. Elle se rebelle complètement, là. Là, je kiffe. Allez, vas-y, envoie-lui des objets dans la gueule. Commence par le muffin. Mon père t'a quitté, maman. Le démon l'avait tenté. Il est parti avec une femme, et tout le monde le sait. J'irai au bal, maman. Chut! J'irai au bal boa. J'irai au bal buciment. Oh, oh non, 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 qu'est-ce qu'ils ont fait? Fais gaffe à ce que tu fais, fouille merde, t'envoies du sang partout. Ah, la fils de puterie. C'est le sang de cochon? Oh, brouille-toi. Oh non, putain, oh, elle va s'en prendre plein la face. Mais quelle saloperie, cette Nancy Allen. C'est toi qui aurais dû te faire démembrer dans Robocop. Méchante. T'es au courant pour Tommy Rose? Quoi? Oh, je viens de reconnaître la meuf aux lunettes. C'est la secrétaire du proviseur dans Ferris Bueller. Depuis tout à l'heure, sa tête me disait quelque chose. Comment tu seras là? Je croyais que t'étais privé. Ta gueule, je t'explique. Ta gueule, change de casquette. Sang de cochon, c'est tout ce que je peux dire. Ok, yo, yo. Ok, ça va partir en freestyle pour Carrie. Elle va se prendre du sang plein la gueule et plein les habits. Le rideau de grand-mère, hein. C'est parfait. La chemise va avec tes cheveux. Mais tu n'en sais rien, tu n'as pas essayé. J'ai pas un corps qui se prête au smoking. Oula, on tente des choses dans le montage. On tente des choses étranges, dignes d'un film comique. Cache-moi ces mamelles. Cache-moi ces mamelles, mets un col roulé pour aller au bal. Je suis faite comme toutes les femmes. Putain, mais elle a pris vraiment de l'assurance, la petite, hein. Enlève cette robe. Pardon? Laisse-moi. C'est, elle a sa crise, elle a sa crise, elle a sa crise. Tu as changé ma vie, que tu renonces, ma fille. Va te coucher. Écoute, Carrie, je lui dirai que tu as changé la vie, toi. J'ai dit coucher. Je fais comment pour aller faire pipi? Unis-la d'avoir signé un pacte. Oh là là, salope jusqu'au bout, putain. Je déteste l'injustice. Excusez-moi, il devrait être fier d'être avec elle, elle est très très jolie. Lui, il a une tête de cul par contre. Ils sont pas aussi méchants qu'ils en ont l'air. Sang de porc. Allez, j'ai l'impression qu'on est revenu dans Dirty Dancing. Ça ressemble à la féerie dansante des sirènes en pur rock'n'roll. J'arrive pas à faire la différence entre les adultes et les pseudo-adolescents. Ils ont tous le même âge. Tu ne sais pas qui est prof, qui est élève. Oh, elle lâche jamais la casquette, mais je suis sûr qu'elle est chauve en dessous. Où vas-tu? T'inquiète pas. Oh non, mais ils sont tous de mèche. Ils avaient tout prévu. J'espère qu'ils vont brûler en enfer. J'aime beaucoup la BO. Carrie? C'est l'heure d'aller chez le dentiste. Je vais au bar et je reviens. Je vais aller me bourrer la gueule. Nous sommes restés assis toute la soirée. Et nous avons discuté. C'était... magique. Par contre, l'année suivante, qu'est-ce que je me suis fait défourailler? On pourrait boire un pot au bahut en repartant. J'y suis jamais allée. Ça fait partie de la manigance tout ça, j'en suis sûr. Enlève ta perruque, toi. Allons-y les amis, c'est l'heure des quarts d'heure américains. Les filles choisissent les garçons. Et c'est parti pour la danse en diable. Sur un slow, boucle d'or et sangria. Le bisou, le bisou, le bisou. Ouais, allez. Yop là. Je sais pas combien de tours la caméra a fait, mais là, je pense que le cadreur, il doit être en mode gerbe. Ça me donne la gerbe moi-même, là. On en est au 87e tour. Parce que tu as aimé mon poème. L'ennui, c'est que ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ah, j'étais sûr. Ah, ce plan, j'en peux plus, attendez. Ça devient compliqué, là, pour moi. Oh, ça va de plus en plus vite. Oh là là, arrêtez, arrêtez. Ah, je me sens pas bien du tout. Ah, putain, c'était chaud. Ah, j'aime ce genre de son. Voter pour un couple. Oh, Tommy Ross et Carrie White. Ce serait ridicule. Je n'ai pas de lèvres. J'ai pas de lèvres. J'ai beaucoup de cheveux, mais j'ai pas beaucoup de lèvres. Mais avec Tommy, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Pour quel couple allons-nous voter? Bah nous-mêmes. Il est dégueulasse, en fait, quand il sourit. Et pendant ce temps-là, la mère joue à la chaise musicale, mais seule. Elle gagne toujours. Voilà ce que je ferai avec la bite de Tommy. Quand je veux quelque chose, je me défonce.
Mais quelle saloperie! Ah là 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 là! Il y a 2-3 looks un peu chelous quand même. Hein. Les bulletins, s'il vous plaît, merci. Regarde celui-là avec sa moustache, il va pas me dire que c'est un étudiant! Je sais pas dans quoi je l'ai déjà vu, cette demoiselle à casquette. Ah, les enflures. C'est horrible, j'ai pas envie de voir ça. Putain, elles sont toutes de mèche. Ah, mais c'est horrible. Non, je veux pas voir ça. Je veux pas voir ça. Tommy Ross et Gary Ward. Très joli ce petit plan séquence. Bien exécuté. Non, 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 non. Faites pas ça, s'il vous plaît. Faites pas ça. Changez-moi la fin du film. Non, 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 non. Ah, la pauvre, elle pleure et tout. Pourquoi vous êtes cruel avec moi? Avec mon petit cœur, avec mes sentiments? Je suis un être sensible, moi. El Diablos. Mais lui, il va rien se prendre, lui. Ça va être que pour elle. Aïe 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 aïe. Excusez-moi, mais lui aussi va se prendre du sang, non? Est-ce que Tommy est au courant de l'histoire? Bien sûr, évidemment. Il y a que la prof de sport qui a bon cœur. Au moins, il y a eu la photo avant, pour immortaliser cet instant, avant le cauchemar. Ah, elle est pas au courant, elle! Elle est pas au courant! Il y a que Travolta et Nancy Allen qui ont fait ce coup-là. Oh merde! Je crois qu'elles étaient toutes de mèche. Ah, elle était vraiment gentille en fait. Elle voulait vraiment faire kiffer Carrie. Oh, ce stress avec le saut. À chaque fois qu'il bouge, j'ai l'angoisse. Ah, ils te font bien durer la scène en plus. C'est vraiment des sadiques. Ça marche toujours, ça, l'ombre chinoise. La petite baffe qui va bien, toujours. Elle est interminable, la scène, c'est horrible. Petit malaise, mais avec un bon lavage, ça doit pouvoir se reprendre. Ah, je suis choqué. Et si vous ne voulez pas vous retrouver dans un bain de sang de porc, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. What the hell? Je lis sur les lèvres. Aïe! Quoi, genre ça l'a assommé? Il est mort? Juste un coup de seau? Ouh, elle va unleash the power. Oh, mon père, il avait ce filtre quand j'étais petit. Le filtre nid d'abeille. J'ai 60 films de famille avec cet objectif. Ouh, elle va se lâcher. Oula, ça devient en relief là. Allez, on passe dans une autre ambiance les amis là, ça y est. Petit split screen. Là ils sont en panique pour pas grand chose hein, pour le moment. Allez hop, niquez vos races tous autant que vous êtes. Tiens, et ils paniquent pour pas grand chose là hein. Juste un jet d'eau et des lumières rouges. C'est la fin du monde. Ah, de l'eau, de l'eau. Je suis allergique à mes yeux, je ne vois plus rien. Je fais les gros yeux. Franchement, la vengeance, elle est très gentillette, je trouve. Moi, je les aurais tous enflammés. Elle a rien fait, la pauvre. C'était la prof qui t'aimait bien. Ah ouais, non, là, ça y est, ça commence à partir en couillasse. Ah, ça y est, ça a monté crescendo, mais là, ça y est, on est sur une vengeance. Oui, le feu. Le feu purificateur. Franchement, elle est classe, hein. L'image est super classe. Ah, c'est génial. Voilà. Ça, c'est du bal de la promo. Là, ils s'en souviendront. C'est hyper dangereux, hein. Elle est vraiment au milieu des flammes. Oh, la classe. Hyper classe. Hyper secla. La déesse de la flamme. J'ai l'impression que l'ambiance est chaude. Waouh, waouh, waouh. Franchement, ce petit passage, j'ai vraiment kiffé. C'est toujours pas boire, lui. Elle veut la tuer? Génial! Génial! Allez hop! Y'a plus de Nancy Allen. Non mais c'est horrible, elle va rentrer comme ça chez elle. Sa mère, elle va lui dire: oui, tu vois, je te l'avais dit, je te l'avais dit. Et elle sortira plus jamais de chez elle. Qu'est-ce que je t'avais dit? Non, non, t'inquiète, c'était prévu, c'était une soirée mousse. Y avait pas de mousse, y avait du sang de cochon, mais on s'amuse comme on veut. La pauvre, Miskina, la pauvre. Je suis dégoûté pour elle. Dis donc, ça serait pas la foire à la bougie, là? Pardon, maman, mais j'ai encore eu mes règles. Oh, mais c'est dangereux, toutes ces bougies, là. Ah, me dis pas que la mère, elle s'est suicidée, genre. Elle peut pas, elle ira pas au paradis si elle fait ça. Maman Zinzin, t'es où? Carrie, tu veux pas aller prendre une petite douche rapide avant de voir ta mère? Non, je dis ça, je dis rien, hein. La pauvre! Elle était si jolie, sa robe! Il va en falloir du savon, là. Oh là là, j'ai envie de pleurer. On n'a pas vu la mère. Ah! Oh putain! Elle m'a fait flipper, putain. Elle est glauque, elle est glauque. Elle est fou qu'elle aille chez le coiffeur. Elle a des cheveux en paille. J'ai aimé ça.
J'aimais ça. Bah, y a rien de mal, madame. Mais sans ça, tu n'aurais pas eu ta jolie Carrie. Ah, la pauvre, là, elle est prête à se convertir, là, c'est bon. On va prier toute la vie. Voyons. Qu'est-ce qu'elle va lui faire? Elle va lui faire un truc de... Non, je le sens mal. Je la sens mal, la Rome. Elle a fait un geste... Son père a gagné, que sa volonté soit faite. Ah, la p***. Salope. Oh, mon ciel. Grosse p***. Oh, mais j'ai tellement de peine pour cet enfant. Regarde-moi cette mère folle. Oh là là, mais t'as poignardé ta gosse. Psychopathe. C'est toi qui aurais dû te poignarder. Active tes pouvoirs. Fais les gros yeux. Ah, je m'y attendais tellement pas. Fais les gros yeux. Voilà. À la Jésus, c'est ça. Tu kiffes Jésus? Voilà. Et là, tu regrettes de pas avoir kiffé Papy Brossard à la place de Jésus, hein? L'autre, elle est en train de jouir, hein. Elle joue bien, Carrie, hein. Si, c'est pas sec. Mais c'est mouillé, là. Si, c'est pas sec. Oh là 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 là, la mère folle, zinzin. Oh, la soirée de merde. Je suis choqué. Mais ça va, t'as rien, toi? Oh, la pauvre, mais elle est tellement innocente. C'est quoi, ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est elle qui fait ça? C'est elle qui détruit la maison? Putain, ça va être relou pour tout ranger. Ah merde, elle est morte. C'est horrible. J'ai tellement de peine pour elle. J'ai la même figurine avec Man of Steel. Les yeux qui s'allument. Oh, la mère, elle avait les mêmes cheveux que Poupée Jésus. Je pense pas qu'on retrouve cette maison dans Maison à Vendre sur M6. La pauvre. Oh là 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 là. Avec la mort de Tommy et des autres, elle est très traumatisée. Ah, tout le monde est mort. À Vendre, Carrie White brûle en enfer. Jusqu'au bout, hein. Ah, c'était à l'emplacement de la maison. Oh la vache, y a plus rien. Elle va être traumatisée toute sa vie. Elle va penser que c'est sa faute. Bravo, franchement, très bon film, excellent. J'ai flippé ma race sur le plan de fin. Oh, c'est horrible. Non, très bon film. Ah, mais quelle tension, la pauvre. Franchement, j'ai trop de peine pour elle. Mais comme quoi, il y a une morale, ils sont tous morts. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite sur cette chaîne pour une nouvelle première séance.